Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve avec Upea, une petite finnoise de Laponie de 3 mois et on va commencer l'apprentissage de la laisse. Allez, c'est parti! Alors pour habituer le chiot à la laisse pour la première fois, ça paraît tout con pour vous, mais c'est bien de l'habituer pour commencer déjà sur de bonnes bases. Donc, certains chiots peuvent avoir du mal à suivre en laisse. Ils vont aller à gauche, à droite, ils vont pas forcément vouloir avancer, mais c'est normal. Le chiot découvre à la fois le fait d'être retenu en laisse, de pas pouvoir aller où il veut. Il va vouloir aller sentir des odeurs, il va découvrir le monde et il est retenu en laisse. Donc c'est totalement normal qu'au début, il va avoir un petit peu de mal. Ce que je conseille pour l'apprentissage de la laisse, c'est de d'abord commencer dans un endroit calme que le chiot connaît bien, donc par exemple dans votre maison. Puis vous pouvez faire ça dans le jardin et puis seulement en balade. Votre chiot sera totalement à l'aise avec la laisse avant de commencer vraiment à sortir dans la rue et découvrir son environnement. Donc voilà, je vais vous montrer avec elle comment je fais. Alors vous voyez ici que la première chose que je vais faire, c'est simplement de montrer la laisse au chiot et de récompenser si il n'en a pas peur. Ensuite, je vais ouvrir le mousqueton pour que ça fasse un petit bruit, le bruit du clip. Et ça, pareil, je vais associer à quelque chose de positif, donc je vais simplement le récompenser avec des friandises. Donc je vais d'abord faire semblant d'attacher la laisse au harnais, puis je vais réellement attacher la laisse. Maintenant que le chien est attaché, je vais faire quelques pas. Et je vais voir si le chiot me suit. S'il me suit, évidemment, je récompense toujours pour renforcer. Et je vais marcher un petit peu comme ça dans le jardin. Et au fur et à mesure qu'il me suit, je vais le récompenser. Ça va habituer au chien à suivre en laisse. Donc voilà, je recommence un petit peu plusieurs fois pour que le chien s'habitue. Puis je vais mettre une légère pression sur la laisse et je vais récompenser le chien pour pas qu'il associe ça à quelque chose de négatif non plus. Donc voilà, ça c'était une séance d'apprentissage de la laisse, mais vous pouvez en faire plusieurs, que ce soit dans votre maison, dans votre jardin et ensuite mais à l'extérieur, là vraiment où vous allez faire vos vraies balades. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye !